Hey mes loulous, c'est Cart et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous sommes avec Millusion qui est toujours à côté de moi, mais d'ailleurs qui vient de grandir, hein, tout simplement. Je te peux tirer Kiki, mais toi t'es grand. Non mais du coup Millusion ne peut pas parler parce que voilà, il est en train de se doigter sur son micro, donc voilà, il ne peut pas, hein, c'est logique. Du coup, là on est sur la Galaxième Dimension, du coup pour le Galax Show, et récupérer l'amulette luminescente, qui est l'artefact qui nous permet de nager, donc voilà. Donc on y va, et let's go! Ah d'ailleurs, faudrait peut-être que je mette le son du jeu, ce serait pas mal. Son du jeu, nana. Ah en fait, il est déjà mis, il faut juste que je le monte. Petite amélioration. Attends, mélangeur, hop. Voilà, ce sera mieux pour vous avec la petite musique. Ah bah du coup, toi tu le fais direct, ok, nickel, merci. Ah ouais, putain, et à la fin, t'as toujours le mec, il va falloir taper 20 coups là. C'est hyper chiant. Et là, t'as les bilbiques, on va taper 50 000 dégâts. Par contre, ça, c'est vraiment relou qu'on doit le refaire et qu'on doit se retaper la cinématique. Alors que techniquement, on l'a déjà fait lors de la quête 80, tu vois. Ça, c'est un peu... niais. Ouais, one shot. Allez! He's bla... Putain, j'ai même pas vu les dégâts, ça a bugué. Je les ai même pas vus. Alors, t'as fait combien du coup? Ah, bah non, je peux toujours pas. Allez, invoque-moi ton Galax! On le bute! On lui nique sa race, nous, à ton Galax, mon gars. Tu nous connais pas! On est des thugs! On est des tucs, nous. On a battu une Rensley qui nous jetait du sperme dans la gueule. Tu nous connais pas, frère. Alors, fais voir. Ah ouais, t'as fait du 4000 en zone. Par contre, je rappelle que du coup, ouais, on a battu ça. Du coup, c'est très bien, tu vois, c'est nickel. Mais je rappelle que bah moi, je me suis toujours fait battre par mon four, au final. Ah putain, je m'en rappellerai en tout cas de mon four. Le fameux four qui grilla suite à des pâtes. Suite à un petit poulet qu'on voulait cuire. Alors là du coup faut le taper 20 fois. Ah non, faut le taper 50 fois. Pouah, 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 pouah. T'es toujours chiant toi, hein, gars. Le truc bien relou, tu vois. Ah, il faut taper 56 fois et après c'est bon. Voilà. Après 6900 coups, le Gélificator a enfin décédé. C'est une remarquable performance du joueur français. Hop. Allez, ça va. On est bien là, on est bien. Plus que 35 coups. 35 coups, hein. On a 13 PA chacun. Enfin, on a 12 PA. Du coup, ça fait que. Ouais. Encore beaucoup, quoi. Il y a personne d'ailleurs qui a des sorts à 1 PA là. Putain. Ah, yop, ça nous aurait tellement aidé, yop. Full rafale là. Oh merde, j'ai laissé traîner mes gouttelettes. Allez, rentrez les gouttes, rentrez. Voilà. Là, tu vois, là, c'est l'aspirateur, tu vois. Oh
on a un coffre. Coffre imperméable. Ok. Oh, c'est l'amulette! L'amulette luminescente! Oh, ça y est, on l'a! Gozinit! C'était dur, putain! C'était dur! Putain, d'ailleurs, c'est level 85 et ça rapporte que 10 000 XP! C'est pas censé être une quête qui te fait progresser petit à petit, Zinit? Oh. Je suis choqué! Bon, putain, ça s'appelle comment déjà le zap, mec? Ouais, mais silo quoi? Attends, silo. Ah, Grotte Slake, ouais, c'est bon, je l'ai. Cimer. Voilà, donc on te reparle, ma petite Kiki. Hein? Ma petite coquine. Hop, voilà, c'est bon, nana. Traverser l'eau luminescente, nanana, ouais. Ah oui! 3 millions 100 000 XP, oui, effectivement, oui, c'est déjà mieux. Je me disais, attends, normalement, Slack, c'est censé te faire progresser, quoi, enfin, le Zénith. C'est quand même la quête qui doit t'emmener jusqu'au level 170, techniquement. Enfin, là, c'est la première partie, donc c'est pas jusqu'au level 70, mais ça a été déterminé que le zénith se terminerait au palier niveau 70, voire plus, parce qu'il y aura des zones, je crois, plus fortes que Moon, apparemment. Donc voilà. Ah, on a rien à faire, on a juste à plonger. C'est cool ça. Est-ce qu'on peut naviguer autre part? Attends. Ah, en fait, la zone délimitée, c'est la zone bleue là. Tu vois, la zone bleue claire. Putain, je me croirais dans Pokémon. Oh putain, j'adore, le perso il fait une bombe. C'est trop stylé. Ouais, j'adore, c'est trop stylé mon gars. Par contre, j'espère qu'il y aura des easter eggs justement implantés grâce à ça. Tu vois, des petites références par-ci par-là, tu vois. Ouais, ils ont bien réalisé la modélisation. Ouais, je ne vois que tu m'as pas écouté. Et que tu es toujours de ce monde. Ah. Tu es toujours de ce monde. Oh, j'aurais aimé que tu crèves, hein, ce bâtard. Je vois ça. Je vois que tu cours vers une mort certaine. Ok. Donc j'ai pris la décision de te venir en aide. Bah oui, comme ça on meurt à deux, c'est cool. C'est plus convivial. Ouais. Mais d'ailleurs, comment tu fais pour parler alors que techniquement on est en cinématique? Comment tu fais? T'as wallhack le jeu ou quoi? On est tous les deux en cinématique, on a tous les deux pas fait le truc, donc techniquement t'es pas censé pouvoir parler en fait. Miko, ah ouais, il y a Mikoku, je crois. Oui, Mikoku. Ah, en fait, non, ça marche, t'as encore le chat activé. T'as juste à faire entrer et voilà. Ok. Elle, je suis en cinématique, mais je peux te voir et je peux te parler. Ah non, je crois que j'ai fait bugger le jeu là. Ah oui, je crois que j'ai fait ouvrir. Oh merde, je crois que j'ai ouvert toutes les interfaces, mais en. Ah merde! Ah, je suis passé à un FPS, c'était magique. Bon bah du coup je suis obligé d'attendre 5 heures. Ah blablabla. Allez bon allez on va lire. Non non non. Je dois vous ramener quoi? Oh putain, on doit être encore le larbin de quelqu'un, fait chier. Ah les larmes de mon fils. Oh, va falloir ramener des larmes d'Ogrest? Sérieux? Ne t'inquiète pas, tu vas pas le rencontrer tout de suite. Bah, ok, d'accord. Tu seras mort, ouais, tu seras mort bien avant d'atteindre le sommet. Ok.
Rassurant ce périple, l'enfant. Ok. Tu vas pouvoir. Oh, sur l'Ilsberg. Ouais, une infime quantité des pleurs de mon fils. Gna 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 gna. On va devoir faire encore un putain de donjon, j'imagine. Ça sent l'aile de l'ambassadrice. Eh oui, ça sent, ça sent. Je le sens, mon gars. Oh, cette eau-là est impure et souillée. Je ne peux pas la transmuter. Il faut que tu prennes les pensées de Datura. Ah, les pensées de Datura. Dans le village enseveli, enseveli. Ouais. Ainsi que le foyer. Ouais, dans la tour. Ah non, j'ai rien dit. C'était la tour Arbourg. C'est pas. L'aile de l'ambassadrice. Ok. Tu sens la quête chiante? La quête qui va te faire aller dans tous les donjons du jeu. Ouais, faut que t'ailles faire ça. Nanana. Oh, po, po, po. Sur ce, oui, allez. Ferme ta gueule. Putain. Allez, trouver ses larmes de graisse. En tout cas, je suis content parce que. Ah oui, voilà. Je veux bien ouvert 50 pages. Ah là, c'est bon. Ouais, c'est archi long la cinématique. Là, t'es content hein, quand elle s'arrête. Hein. T'es content. Hop. Eh ouais, se rendre au village enseveli de Lilsberg. Oh là là, c'est la quête bien relou. Une fois que t'atteins une zone, bah non, bah non. Faut que t'ailles là-bas. Oh putain. Ah, c'est relou ces quêtes-là, j'aime pas. C'est la quête, tu vas voir le PNJ. Le PNJ te dit, ah ouais, mais j'ai oublié, fallait faut que t'ailles là, mon pote. T'aurais pas pu me le dire avant, s'il te plaît. Non, t'aurais pas pu, hein. Tu sais, c'est un petit peu genre le mec, il te donne sa liste de courses. Il te fait, alors il me faut une pâte à tartiner, il me faut nanana. Alors, à la fin, on va faire une tarte au chocolat. Et à la fin, il te dit, il te donne la liste, tu vas aller tout chercher. Et à la fin, il te dit, ah ouais, mais en fait, pour faire la tarte au chocolat, il me manque le chocolat, lol. Allez, va le chercher, fils de pute. Ah putain. Bon, maintenant, il fallait chercher ce putain de truc. Se rendre au village enseveli. Allez, on y va. Eh oh, eh oh, on rentre du boulot. Putain, je suis parano, fais chier. D'ailleurs, si tu me parles, faut parler en groupe, hein. D'ailleurs, parce que là. Parce que si tu me parlais et que tu me parlais en proximité, disons que waouh, je t'aurais pas trop vu, tu vois. Ah, pensée de Datura, c'est pas vraiment les pensées, tu vois, c'est. C'est une pensée, la fleur. Ok. Pas les. Pas des épaulettes de Taruhan de Tatura. Effectivement, ouais, c'est pas les épaules. Non, mais je pensais que c'était les pensées, tu vois. Genre, je pense à du chocolat. Ou alors, je pense à machin, tu vois. C'est des pensées de quelque chose. J'aurais pensé à un livre, tu vois. Un livre où elle récitait les pensées qu'elle avait. Tout ça, tout ça. Mais non. On doit récolter des putains de fleurs. Et bien sûr, hein, Datura, elle a pas fait un jardin comme tout le monde. Non, elle a pas fait un jardin où elle plantait toutes ses plantes. Et non, elle les a plantées une par là, une par là. Oh, et puis si je plantais une par là. Putain. On a pas pu faire un jardin comme tout le monde. Elle aurait fait un jardin devant chez elle. Voilà, elle aurait mis un panneau en disant ici, c'est mes pensées. Ça aurait été cool, mais non. Au château de Harbourg. Ok, donc fallait le château Harbourg. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. C'est par ici, on est tout là-bas, là-là. Putain, c'est vraiment drôle quand tu parles pas, vieux. C'est triste. J'ai presque envie de me sucer une boule. Ouais, c'est vrai, c'est des pratiques assez cheloues, mais. Je suis sûr c'est vide. Quoi? Mais boulou.
Parce que pour le coup, là, c'était ambigu ton truc, hein. Ah, il a enfin une utilité, ce truc-là. Ok, nickel. Oui, Terrikiki, t'as voulu me fouetter, mais ça marche pas, vieux. Ça ne marche pas. Tout simplement. Ah, on est en train de battre une momie. T'es rentré dans le... Ah, ok, on est rentré tous les deux. Ouais, mais c'est un combat solo. D'accord. Mais ouais, on doit combattre une putain de momie. Enfin, c'est un Xelor, j'imagine, vu que c'est une momie, tu vois, c'est ça. Plus, il a la posture du... Bah, je le one shot, mais bon, j'aurais bien aimé voir ce qu'il fait, mais... Ouais, fini. Rapporter les larmes d'Ogrest au Baflan, ok. Eh bah, j'imagine qu'on doit retourner là-bas. Donc, bague au zap. Hop, voilà. D'ailleurs, j'ai même pas regardé la musique de Zenith, elle a changé ou pas? Et ce serait con qu'il ait pas fait de. Enfin, je veux dire, de thème thématique pour ça. Enfin, de thème thématique. De thème thématique, voilà. Ah non, elle a pas changé la musique. Il y a juste vite fait un truc de. Ouais, il y a des blobs. Des gloutous mous. Des gloutous mous. Ouais, ça rappelle l'ancienne, ça fait plaisir. Par contre, avant, il y avait tout ce qui est. Enfin, il y avait tout un truc sur les blobs. Je sais pas si tu te rappelles, genre, tu devais battre le chef blob. Et t'avais des trucs d'Agua Brial. Donc, Et je suppose. Je dis ça comme ça, mais je pense qu'il y a genre des trucs exprès. Tu vois, genre des petits trucs répartis avec les blobs, tout ça, à l'ancienne. Peut-être des références. Peut-être qu'on va battre le chef blob ou un truc comme ça. Ou alors peut-être qu'il est implanté dans la map et on doit le trouver. On doit faire tel ou tel emote pour le spawn ou je sais pas. Mais après c'est Rankama, donc faut pas trop forcer non plus. Faut se rappeler que c'est Rankama, tu vois, c'est moi que fou les mecs. Bon, il n'est pas aussi puissant que j'espérais. What? Hey, tu m'as fait transformer en démon, frère. Il va te falloir encore. Oh putain. Tu vois, et ça c'est typiquement ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu vois, t'as une tarte au chocolat, tu lui ramènes les ingrédients et il dit non, en fait, j'ai oublié le chocolat. C'est exactement ça. C'est exactement ce qui vient de se produire, frère. On y est. Et on lui a donné ses putains de larmes. Et il dit, ah ouais, non, ouais, il en manque un peu, lol. Va en rechercher, s'il te plaît. Putain. Ouais, beaucoup trop de blabla. C'est dommage, c'est vraiment trop, trop, trop de blabla. Alors. Examiner les rocheuses, ok. Ah oui, 8 millions d'XP, ça rigole pas ce level-là. Ah ouais, ça donne vraiment beaucoup, hein. Les rocheuses, c'est ici, frère. C'est juste à côté, les rocheuses. C'est ici, hein. Toi, je te voyais partir à perpète. Je dis, non, non, c'est là. Ah, il existe un artefact permanent. Ah, en fait, toi, t'avais lu dans le. Enfin, t'avais lu dans le futur. Lu ou lit? Non, lu. Oui, tu dis, ça fait lit, les bâtards. Ouais, t'avais prédit l'avenir, mon frère. T'avais prédit qu'il y avait Ulu qui allait passer par là en disant ouais, il te faut l'espierre bonti, nanana. Trouve l'artefact jeune élu, mais je l'ai déjà, ferme ta gueule. Putain, mais c'est trop de blabla. Ah, blablabla. Voilà, allez hop. Ah non, parler à Otomai après avoir trouvé les. Okay. Il faut parler à Otomai. Ah oui, effectivement, hein, 10 000, 10 000 XP. Hein. Là, c'est vraiment, je te donne de l'XP pour lui avoir parlé, c'est tout. Bon, allez, franchir les rocheuses.
13 millions. 13 millions d'Ogrin. Pouah, 13 millions d'Ogrin. De XP. Donc là, faut battre des smarts. Mais ouais, ça rapporte bien, hein. Putain, c'est... C'est généreux, Zinit, hein. Tiens, je crois qu'il y a tout, là. Un smarmo. Ouais, un smarmo et un gros smart. C'est tout. Leur PV... Ah ouais, c'est level 116, mais ils te t'arrachent la gueule, hein. C'est pas des smarts comme avant avec Bonta, tu vois. Là, c'est des smarts qui te niquent ta gueule. Des smarts qui, pour moi, d'ailleurs, sont... Ah ouais, c'est capturable. Attends, vas-y, laisse voir. Ok, moins 1 PO. Ouais, c'est capturable, mais c'est de la merde, hein, par contre. Hein. C'est de la bonne grosse merde. Hein. What? Attends, comment j'ai... 62% de Drezi! Mais tu veux que je rock ça comment, moi? What? Bon bah, je vais devoir te lécher, mon pote. Ouais, ça va être archi dur. Mec, après, je te jure, s'ils nous sortent des pioux... des pioux level 200. Non, en vrai, je sais pas ce qu'ils ont retiré des nations. Bah d'ailleurs, apparemment, les nations, elles vont être virées. Enfin, je veux dire, les mobs des nations vont être retranscrits dans le Zénith. Donc là, on a croisé les Smars, on a croisé les Cascarmoules, on a croisé les requins. Ouais, peut-être des mocs. Non, je dirais plus les Abras, moi, au final. Ouais, les éventails. Ouais, je sais pas. Non, je verrais plus les Abras quand même. Ah non, quoique les Abras. Oh, mec, imagine les Abras, ils sont refontes et ils sont level 190 et tout, ça donne accès aux Shenmue, tout ça. Imagine. Ouais, je pars loin, mais on sait jamais. Imagine, ça donne accès aux Shenmue et tout. Ça fait un nouveau gameplay. Parce que de toute façon, ils sont amenés à jarter les mobs des nations, donc. Donc je sais pas, dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous pensez que ça va mener au Shenmue ou pas. Techniquement, je pense qu'il y a moyen que ça mène au Shenmue. Enfin je veux dire là, c'est une ligne conductrice. Ok, j'arrive. Attends par contre juste, je suis full invente donc je vais devoir virer plein de trucs. C'est genre ils m'ont blindé quoi. C'est comme mon mollet, il est blindé. Il est blindé là. Ah putain. Alors, beau Digi. Alors, le Digi, j'ai vu ça, c'était sur un live de Wakfu. Il m'avait l'air assez sympa. Par contre, ils avaient pas spoil le boss et tout. Hein. Ça, c'est normal. Hein. Mais il m'a l'air d'être sympa le. D'ailleurs, je vais regarder parce que je crois qu'il y a une relique dans ce Digi. Il me semble avoir entendu qu'il y avait une relique. C'est lequel Dawa, je crois, un truc comme ça. Lequel doigt? Ah non, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de relique, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. Comment briser les espoirs en un seul coup? Il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. Ouais, plus tard. Ouais, je sais pas. Mais ouais, t'es au courant que toi aussi, il y a des reliques et tout, hein. J'ai pas rêvé. Ok. Après, je me dirais aussi une... Enfin... Ça m'aurait fait mal d'avoir une relique dans le Digismart, tu vois. Ok, j'attends. Récupérer les larmes sur le Smarillon. Alors, que fais-tu? Ah oui, ok, tu mets tes persos. Pas con, pas con. Attends, je vais mettre les miens aussi. Ouais, tant qu'à faire, autant mettre nos persos, oui, c'est sûr. Je vais mettre mon Kra et tout, ça va aider. Bon, le Sacri, je le mets pas parce que Ouzef. Je veux dire, c'est un cac. Voilà, c'est bon. Oui. Car si les Digis deviennent durs, on sait. Ouais, bon, ça reste quand même un Digi level 116. Hein.
Ouais, mais après, imagine, à la fin, ça te fait comme un TJ Vampiro. T'as des cases mortes, tout ça, avec la poussée des mobs. Enfin, ouais, les points de vie de nos crasses sont ridicules. Ils ont 0 PV. Enfin, 55 et 122. T'as plus de PV que moi. Tricheur. Il a payé le jeu. Très utile hein, ce que t'as fait, très utile. T'es allé dans la flaque d'eau, tu t'es fait pousser. Très utile. Hein. Alors là, soit c'était fait exprès, c'était bien joué. Soit c'était pas fait exprès, là, du coup, t'as attaché. Attention, que va-t-il faire? Attention, cet homme prépare des portails, attention! Eh oui, il a fait la première attaque, la deuxième, qu'il a mis dans le vide, bravo! On admire la précision du joueur français. Une précision vraiment inégalée. Bon là, ça suffit, par contre, je vais aller me régène. J'adore la régène du gras. J'adore. Elle est tellement swag, elle est tellement belle et tellement performante. Par contre, j'espère qu'on drop des bons trucs dans ce DJ. Je ne sais pas du tout. Là, ouais, je drop des épaulettes. Des pellets. Ah oui. Zone mêlée. Hein. Des épaules, zone mêlée. Hein. Mais qui fait une zone? En étant en mêlée. Qui? Sérieux? Est-ce que t'as déjà vu une classe qui fait mêlée et zone? Bah ouais, c'est débile. Ah, quoique, encore t'as. Ouais, le sacré, et encore. Ah ouais, et encore, j'ai les K-flips, tu sais, je peux faire 3 cartes. 3 cartes, c'est zone, et je peux le faire en mêlée. Mais je veux dire, ça sert à rien. Ouais, pour moi, c'est un stuff qui va servir à rien du tout. Ou alors le SRAM. Ouais, non, même pas. Le SRAM, c'est distance. Pff. Ouais, non, ça servira à rien. Enfin, je veux dire le SRAM PVP. Le SRAM PVP. Ouais, non, je sais pas. En tout cas, t'es d'accord pour dire que le mimique sucré, on s'en bat littéralement les couilles, hein. C'est. J'ai pas envie d'avoir des croquettes, moi ça sert à rien. Non, c'est vrai, on sent sucré, on sent pas les reins. Bon, tu es très eu avec ton crâne là, parce que bon. Je veux pas dire, mais actuellement t'es en PDS. Enfin, un éca avec Résu, bah oui. Oui, j'ai Résu, moi, oui. Pourquoi t'en vois pas souvent? C'est rare. C'est une espèce rare. Personne l'utilise, ah ouais. C'est trop utile pourtant. Merde, bah oui, j'ai oublié. Je vais me mettre comme ça. Non, deuxième meilleur, je suis pas d'accord. Non, non, il y a Lenny qui a une bonne résu, mais je suis désolé, pour moi, la meilleure, ça reste celle du Zobal. Hein. Y a pas à chier. Hein. Celle du Zobal, il nique son double, il résu tout le monde. Il résu toute la salle, le gars. Alors, c'est un nouveau truc, ça, non? Le smart, ouais. Ouais, du coup, on parle vite fait comme ça, les gars. Hein, c'est juste parce qu'on sait pas. Enfin, ça digit, quoi. Y a rien à faire, y a rien à dire. C'est pas ouf. Par contre, je te propose qu'à la fin de cette quête, enfin, je veux dire, on finit le digi, on donne ça à Automai et après on arrête.
Parce que genre ça fait déjà 40 minutes qu'on filme, enfin 35. Mais je prévois l'avenir. Tiens. Ouais, donc désolé si c'est un peu long pour vous. Moi honnêtement ça me dérange pas, tu vois, c'est tranquille, on est posé, on parle. Moi ça me dérangerait pas de regarder ça sur YouTube, mais après je sais que c'est pas évidemment le truc qu'on aime tous. Moi honnêtement je préfère une vidéo dynamique en 5 minutes si t'as torché, mais au moins c'est... T'as passé, t'as rigolé, t'as... Alors que là c'est plus posé, c'est pour le truc genre 40 minutes, tout ça. Parce qu'à mon avis, même avec les cuts, ça va durer longtemps, hein, je veux dire. On continuera la quête, ouais. Ouais, bien évidemment, on continuera la quête. Hein. De toute façon, on va faire toute la vidéo, enfin, on va la finir. Hein. De toute façon, je pense qu'on va la finir ensemble, la quête. Enfin, voilà, comme ça, c'est fini. C'est fait, c'est parti, chapitre 1, c'est bâclé. Bon, tu vois. Ah. Et petit spoil, Video Moon en approche. Ah, ah oui. Video Moon en approche, bah si on le fait tous les deux. Parce qu'effectivement, ouais, ça pourrait être cool. Et qu'on fait 4 tout ça. Oh! Mais si, c'est ça, Keldawa, tu vois? C'est dans ce DJ. Mais pourquoi il n'y a pas de fragment dans le croupier? C'est Narda qui a pas de fragment dans le croupier. J'ai regardé, je voulais me spoil, mais en fait non, y en a pas. Eh mec, eh, sérieux, je vais farmer ce DJ, j'ai envie d'avoir la relique en premier pour pouvoir la vendre 5 millions. Tu vois, le truc, ça va être de la merde totale, mais je vais être le premier, du coup, 4, 14 millions. L'HDV, tu vois, il n'y aura que moi. Ouais, fragment de quel doigt? Ouais, 350 000 kama. Ouais, non, tu vois, je pense qu'il y a moyen de farmer ça et avoir pas mal de trucs. En plus, on a fait que Stasis 1, là. Tu vois, on y va, Stasis 19. Ouais, par contre, le boss, mon gars, ce Marillion. On dirait qu'il danse. Ah, immunisé, mon pote. Invulnérable. Comment qu'on fait? Ah oui, ça, c'est un boss bien relou. Ah oui, ça s'annonce le boss de type relou. Ouais, par contre, il tape rien, donc ça va. Il tape que dalle. T'as la régène ou pas sur ton panda? Enfin, je veux dire, t'as la vague de lait. Ok. Parce que bon, ça va être. Je te cache pas que ça va être un peu utile si mon DK commence à avoir mal. Tu vois. Ah ouais, tu sens le digi relou? Alors, Smarillon, Explomar. Enfin, Exosmar. Est-ce que tu penses qu'il faut le mettre dans sa propre griffe? On est en train de chercher la strat ensemble, là, tu vois. On improvise de ouf, ouais, on sait rien, on a... on est là, on sait pas la strat. Oh, au départ, on savait même pas qu'il y avait une strat. ouais... On y allait YOLO. Alors par contre, pourquoi le mec là-bas il est invulnérable aussi? Genre le Smarmo là-bas, tu vois le Smarmo qui est au fond, il a vu. Il est invulnérable. Ouais, pourquoi il a une invue? Est-ce que c'est le boss qui donne l'invulnérabilité, tu penses? What? 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 Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un bug interdimensionnel.
Ah oui, là c'était un beau bug. Sympathique. J'ai bien aimé. Je l'ai tapé. Ça lui a mis un état. Ah oui. Ah oui, il est plus invulnérable. Mais j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? J'ai rien fait, mec, j'ai esquive. Enfin, je me suis barré de son cac. On a trouvé la strat, on sait même pas comment on a fait. Ah non, il est re-invu. Il est re-invu là. Ah ouais, mais du coup, je sais pas comment j'ai fait moi. Essaye d'aller à son cac, parce que moi, c'est comme ça que j'ai fait. J'étais à son cac. Ouais, t'as pas d'effet qui proc sur toi. Ah si, tu l'as désinvu. Mais what? Faut juste aller au cac? Faut lui sauter dessus ou quoi? Faut faire un sort qui bouge à son cac, je crois. Bien. Ouais, comme moi avec lacération, en fait, je me suis escape avec ça. C'est ça? Ok. Est-ce que t'as la brèche tempo? Ouais, oui. Du coup, le smar est toujours à vue. Donc, pourquoi un putain de smar est à vue? Non, toujours pas. Et si je m'escape comme j'ai fait avec l'autre? Non. Voilà, c'est une bonne question. Je commence à le cribler, hein. Ouais, fais voir. Donc, essaye de roulade pour voir si ça le désinvue. Non. Putain, comment on a fait? Essaye. Attends, essaye d'aller là. Peut-être que c'est le sort de poussée en fait qui a fait ça. Non. Ouais, faut que ça tape. Ouais, mais du coup, c'est un peu niqué parce qu'il y a plein de classes en fait qui peuvent pas gérer. Ouais, nous on en a deux, ouais. On a niqué le game. Ouais, c'est ça, hein. Je l'ai fait, je peux le taper, tout ça, ouais. Par contre, le Smarmo, je ne sais toujours pas comment le désinvue, lui, hein. Ouais, je comprends pas trop non plus. En fait, faut juste escape son cac avec un sort et bah, ça le désinvue. Mais what? Est-ce que c'est un Wawabit inversé? Faut l'escape? Bah oui, regarde, tu l'as tapé. Là, tu t'es re-tp sur lui. Ouah. Ça a bugué de l'infini. Bah, je comprends rien non plus. Mais ça sert à quoi? Attends, je vais essayer de le taper. Attends, va à son cac et tape-le. Parce que moi j'ai l'impression que c'est le fait de le taper au cac qui fait que ça se désinvue. Ouais. Du coup, vas-y, essaye de le taper. Tape-le un petit coup, tu vois. Ouais, tu vois, c'est juste le taper au cac. C'est juste ça. Voilà, donc faut juste le taper au cac et puis c'est bon. Et puis le smarmo, on s'en fout en fait. Voilà. Donc alors, qu'est-ce que t'as drop? La smarionnette. Ouais, les épaules, ouais. Ok. Waouh, amazing. Mais c'est tellement dingue.
Mais est-ce que tu penses que du coup il y a une relique et une épique dans ce donjon? Est-ce que tu penses qu'il y a les deux? Moi je dis ça vaudra le coup de le farmer pour voir ce qu'il y a à drop vraiment dedans. Si ça se trouve tu vas dropper des trucs, tu t'imagines même pas. Ça se trouve les trucs ils ont même pas sorti dans le jeu, tu vois, ils ont même pas prévu que t'allais le drop, mais tant tu le drop, tu vois. Ouais, je suis encore choqué du fragment aussi. Mais... Ouais, c'est. Mais c'est dingue quand même, tu vois, il n'y a pas de fragment en croupier. Mais il y a. Il y a la relique. Donc, est-ce que c'est la première relique qui n'est pas obtenable en lié? Ça serait intéressant quand même. Alors, par contre, là, je me suis complètement paumé. C'est où Ah, Automai, c'est là, non? Il est pas là, Automai? C'est en dessous, hein. Ouais, j'ai retrouvé ça en bas, viens. Ah bah t'es déjà là, ok, c'était un bug. C'était un bug. Bon bah on va rendre à Automai et puis j'imagine que ça va être la fin de la vidéo. Voilà, hop, j'ai retrouvé les... Et une putain de cinématique qui va durer encore 15 minutes, j'imagine. Parfait. Je vais pouvoir te préparer le second antidote. Ok. Tiens, aide-moi. Ok, je vais t'aider. Nanan, un instant. Pop, il se fait péter des feux d'artifice avec son cul. Ah, j'ai mal, oui, si t'as du mal, parce que t'as fait ça avec ton cul, du coup. Cette fois-ci, ça va marcher. Allez, Q-Sec. Je suis à devant, mec. Tu vois, Q-Sec, il l'a fait avec son cul. Q-Sec, voilà, son cul est sec. Tu vois, c'est. Non, non, je l'ai dit. Je suis un devin. Voilà, te voilà débarrassé du miasme. Du miamiasme. Ok, on est vraiment dans Pokémon. Tu vas pouvoir continuer ton ascension sans trop de dommages. Rends-toi vers la falaise. Oh, vers la falaise, mon gars. Oh, je sens le combat avec Ogress s'approcher vraiment bien. Et on a encore une autre image d'Ogrest. Ouais, ouais, méchant chien, chien. Viens de battre, moi. Examiner la falaise. Ah, est-ce qu'on examine la falaise juste pour voir la falaise? Ou alors est-ce qu'on fait un Gryffindor et qu'on leur nique leur race? Genre, vous allez pas voir la falaise, nanana, Goquette, ouais, voilà, en Gryffindor. Bon, bah, allez. On vous nique la gueule et bah rendez-vous au prochain épisode pour voir la falaise, la tant attendue falaise. La falaise d'ouf, la falaise de Zénith. La falaise où tout s'est passé. Voilà. Voilà, faut vraiment vous teaser que la falaise c'est bien. Et que la falaise vous la regardez. Et du coup, bah pour la regarder, c'est le prochain épisode. Et ouais, et ouais c'est le Mont Blanc, oui, c'est le Mont Blanc, c'est le Mont Noir, tu vois, c'est le Mont Chiliade. Comme la crème dessert. Voilà. C'est la crème de la crème de la crème dessert. C'est faut vraiment la voir la falaise. C'est un truc de ouf. Je l'ai pas encore vu, mais je peux dire que c'est un truc de ouf. Donc voilà. Donc si toi aussi tu veux voir la falaise, bah hein, pour le prochain épisode. Allez, bisous. Allez, portez-vous bien et mets un j'aime, un commentaire, tout ça. Allez. Salut!